Bonsoir et bienvenue dans un nouveau numéro de Secrets de Famille. Ce soir, nous vous proposons de découvrir deux histoires exceptionnelles, des parcours de vie, des trajectoires incroyables où le secret a bouleversé l'existence d'hommes et de femmes. C'est par un appel au secours que nous débutons ce soir. Ce cri de désespoir, c'est celui de Christiane. Cette mère désemparée nous a contactés afin que nous tentions de résoudre une énigme, celle qui hante son fils Nicolas depuis près de 40 ans. Aujourd'hui, Christiane est prête à tout pour aider son fils, mais découvrir la vérité est un chemin complexe. Dissimulation, mensonge, mystère, secret, les certitudes sont toujours fragiles lorsqu'il s'agit de secrets de famille. Tout le monde savait, enfin, mes cousins, mes cousines, mon frère, tout le monde, mes tantes, enfin bon, tout le monde quoi. Tout le monde sauf un, moi. Apprendre ça à l'âge de 44 ans, ça fait comme l'effet d'une bombe, mais vraiment d'une bombe à fragmentation. À 44 ans, Nicolas Dacosta est en apparence un homme heureux. Il est marié, il est père de deux enfants, son métier le passionne. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Nicolas cache en réalité une douleur, une fêlure qu'il a de plus en plus de difficultés à contenir. Quand mon fils a atteint la quarantaine, ayant une profession stable, vivant en couple et ayant ses deux enfants, on aurait pu penser que tout allait bien pour lui, que tout devrait aller bien pour lui. Eh bien non. Ce qui m'a beaucoup aidé, ce qui m'a beaucoup porté, c'est mes amis. Je sortais tous les soirs. Et le fait de sortir tous les soirs m'a empêché de prendre de l'exomil ou du tranxène. Et ça, c'était, pour moi, c'était important. Ça a été mon exutoire. Le fait de sortir, de me faire tourner la tête, chavirer, de voir d'autres gens et surtout de vivre dans la gaieté, dans la joie. Nicolas se posait beaucoup de questions sur lui, sur la vie, sur... des questions qu'on se pose très souvent autour de la quarantaine. Je pleure souvent, voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Bon, quand je lis un bouquin, quand je vais au cinéma, quand j'écoute une musique, des fois, ou quand je parle avec quelqu'un, ça m'arrive, je pleure assez souvent. Il y avait des choses douloureuses qui devaient se mélanger et qu'il faisait pleurer. Oui, c'était souvent en pensant au passé. Alors au passé en général, je ne sais pas ce qu'il y avait là-dedans, mais... Mais la famille était d'accord avec moi sur tous les points. Que Nicolas vivait, je ne veux pas dire un enfer, mais Nicolas vivait dans un état de stress permanent. Je lui ai conseillé d'aller voir un psy pour être accompagné dans ces questions-là. Je pense qu'à ce moment-là de la quarantaine où il construisait sa famille, il y a eu vraiment un besoin, je pense, de poser les choses et de trier tout ça. Je pensais qu'il avait des doutes. J'étais même presque certaine qu'il avait des doutes pour qu'il aille consulter un psychiatre. Il fallait que ce soit une raison de cette nature. J'ai tout de suite pensé que ça pouvait être ce secret qui aurait peut-être besoin d'être révélé. Les doutes qui hantent Nicolas, Christiane ne peut les ignorer. Mais comment avouer la vérité à son fils? Comment trouver les mots justes après 44 ans de secret? Un secret qui débute le jour de la naissance de Nicolas. C'est un grand jour pour moi, le jour de sa naissance. Quand j'ai pris Nicolas dans mes bras, ça a été la possession totale, ça a été la fusion totale. Il était à moi et il fait partie de moi-même. Je les vois ouvrir le berceau, il y avait berceau avec le voile là devant.
nous faire voir ce petit ange. C'était un amour d'enfant. C'était un bébé qui pesait 3,5 kg et qui mesurait 50 cm. Il avait une très jolie peau. Nicolas avait une très jolie peau quand il est né. Et c'était remarquable, une peau très fine. Et puis, il n'avait pas de cheveux. Et moi, je trouvais ça très mignon parce que j'aime bien les enfants qui n'ont pas de cheveux, qui naissent. Et puis, il était très mignon, bien sûr, très, très mignon. J'étais à genoux, là, avec le bord, au bord du berceau, et à regarder le bébé, quoi. Parce que c'était vraiment une très, très... Enfin, vraiment une joie immense, quoi. L'arrivée de ce bébé a été vraiment une joie intense et très, très forte. Pour tout le monde, je pense. Dans ma famille, ça a été vraiment l'événement, le super événement. Je me souviens de ma grand-mère, quand je lui ai dit « c'est un garçon », elle était folle de joie. Nicolas grandit avec ses parents, sa grand-mère et son petit frère Vincent. Cette famille de commerçants mène une vie paisible et sans histoire à Soisy-sur-Seine en banlieue parisienne. Au sein de cette fratrie, Nicolas fait déjà preuve d'un caractère un peu particulier. Mes parents avaient un petit appartement juste au-dessus de la boucherie, donc l'entrée principale pour entrer dans notre appartement, c'était de passer par la caisse, enfin par la boucherie tout simplement. Pendant son enfance, Nicolas est un enfant très exigeant. Très, très exigeant. Toute la famille le constatait. Hein. Il n'y avait pas que moi. C'était un enfant très exigeant. Notre grand-mère le disait déjà, tout petit, les gens dans Soisy l'appelaient Monsieur l'Indépendant. Voilà. Parce qu'il ne voulait pas tenir la main. Voilà. C'est vraiment un trait de caractère. Vis-à-vis de mon frère, c'est difficile de dire ça, mais que j'étais peut-être un peu plus choyé ou chouchouté, ou voilà, où ils étaient un petit peu plus attentionnés, je dirais, envers moi. Je pense qu'elle a été plus permissive avec lui. Voilà. Tout en restant protectrice, bien sûr, c'est quelqu'un de protecteur, mais... Mais je crois que... Je pense qu'elle a voulu compenser certaines choses. Vers 14-15 ans, Nicolas a eu besoin de liberté, ce que j'ai pu comprendre, mais qui pour moi me paraissait un petit peu trop tôt, trop hâtif, peut-être comme toutes les mères pensent peut-être comme ça. J'ai quitté la maison assez tôt pour diverses raisons. Et j'étais pas très stable, j'étais un... Il m'arrivait parfois de partir un peu, de faire des fugues, pas d'avoir des colères, mais d'avoir des coups de blues et dire « putain, je comprends pas, qu'est-ce que je fous là ?» Quand je l'ai rencontré il avait 18 ans, il était déjà autonome, très autonome par rapport aux gens de son âge. Moi, je le trouvais très secret. Il parlait très peu de lui, de son passé, de lui-même. Mais bon, j'avais 19 ans, on s'amusait, on sortait avec nos amis, donc je ne trouvais pas ça plus étrange que ça. En 1997, Nicolas rencontre sa femme. 6 ans plus tard, il fonde une famille avec la naissance de Lisa, sa première fille. Nicolas a 41 ans. A priori, tout va pour le mieux, et pourtant, il n'en est rien. Juste après la naissance de Lisa, il est assez énervé, il est assez parfois vindicatif. Il ne comprend pas pourquoi, et personne ne comprend pourquoi, sauf ceux qui sont au courant. J'y pensais beaucoup, que devais-je faire, que ne devais-je pas faire. J'y pensais beaucoup et quand finalement j'ai eu une impulsion parce qu'il était près de moi, dans la pièce,
On était seuls. On discutait, je dirais, tranquillement, comment s'était passée ma semaine, etc. Des choses assez banales. Le matin même, je ne pensais pas que je lui aurais dit le soir. J'y pensais, mais je ne savais pas, je n'avais pas décidé, si vous voulez. Il était assis à la table, je me suis assise en face de lui. Et puis je lui ai dit. Elle avait envie, je crois, à cet instant, de se soulager de ce terrible secret. Là, j'ai eu mal. Et je me suis dit que j'aurais peut-être mieux valu ne rien dire. Et je pose toujours la question. Ce jour-là, ma mère m'a dit que j'étais un enfant adopté. Voilà, brutalement, directement. Apprendre ça à l'âge de 44 ans, ça fait comme l'effet d'une bombe, mais vraiment d'une bombe à fragmentation. J'ai vu son visage changer naturellement. Il m'a dit, il a mis sa main sur la mienne, il l'a posée. Il m'a dit, de toute façon, maman, ça ne changera rien. Au bout d'un certain temps, quand même, quelques minutes, il a dit, de toute façon, ça ne changera rien entre nous. Et puis c'est tout. De lui révéler tout ça, ça m'a coûté énormément. Ça m'a coûté énormément, ça me coûte encore. Ça me coûtera toujours. Docteur Ségère, vous êtes pédopsychiatre, psychanalyste. Merci de nous apporter votre éclairage sur ce dossier. Comment expliquer que Christiane, la mère de Nicolas, a révélé à Nicolas de façon si soudaine son secret après 44 ans. Qu'est-ce qui explique que soudainement on rompt le silence ? Lorsque se trouve un moment d'intimité, de communication intense, voire de complicité entre ces deux êtres, et que d'un seul coup, l'un se sent en porte-à-faux par rapport à l'autre à cause d'un savoir qui lui pèse depuis très très longtemps, on peut tout à fait arriver dans le contexte où la parole va déborder la situation et elle va se dire. Je crois que même si ce n'était pas de la culpabilité, elle était rongée par un serment qui desservait son fils. Et probablement qu'elle n'a pas tenu jusqu'au bout. Est-ce que selon vous, il existe un bon moment pour faire ce type de révélation ? Il me semble que dans des histoires avec des complications sur l'origine, il est important d'informer dès sa venue au monde, le sujet qui est concerné par cela, en l'occurrence le bébé, de dire déjà au bébé ce qui lui est arrivé, à quelle sauce il est mangé, dans quel contexte il va devoir grandir. Mais si bien qu'après, on peut l'élever dans sa vérité. Mais lorsqu'il y a des secrets, des mensonges qui lient les langues autour de cela, on crée des trous du fait qu'on ne lui a rien dit. Mais il a vécu des choses, il a vécu ce qui s'est passé pendant qu'il était dans le ventre de sa mère, il a vécu la séparation, il a vécu l'étranger et il a vécu aussi autour de lui ces blancs de langage qui le concernaient, donc dont il était particulièrement réceptif, mais auxquels il ne pouvait pas attribuer de sens, car c'était interdit. Nicolas, lui, sentait qu'il y avait un mal-être, ne savait pas réellement ce qu'il se passait, mais il ne voulait pas se l'avouer, cette situation. C'est bien ça ? Les abandonnés ont souvent le sentiment qu'ils peuvent être abandonnés à nouveau. Oui. Et de ce fait, il ne va pas mettre en doute ce que racontent ses parents, parce qu'il risquerait de perdre leur amour, de perdre leur confiance. Donc il doit jouer le jeu. Et un enfant doit avoir confiance dans ses parents. S'il met en doute ce que racontent ses parents, ça commence à tourner très mal. Ce dimanche après-midi, Nicolas apprend qu'il est adopté. À 44 ans, en une fraction de seconde, sa vie bascule. D'autant que les révélations de sa mère ne s'arrêtent pas là. Quand Nicolas m'a demandé qui savait la chose, je lui ai dit, dans la famille, tout le monde savait.
Mais je sais qu'il ne fallait pas dire à Nicolas que mon oncle et ma tante n'étaient pas ses parents. Ça, je le savais. Tout le monde savait, puisque personne n'avait vu ma mère enceinte. Donc forcément, je suis pas arrivé dans un chou ou par un vol de cigogne. Hein. Donc forcément, je suis bien arrivé d'une certaine façon et que la vérité, elle pouvait pas la cacher à d'autres personnes. Je connais Nicolas depuis toujours. J'habitais 4 maisons à côté de chez ses parents. Et dans le village, pas mal de personnes savaient qu'il avait été adopté. Et j'étais surprise de savoir que lui, il ne savait pas. Il ne comprend pas pourquoi tout le monde est au courant, sauf lui. Il ne comprend pas pourquoi on ne lui a pas dit plus tôt. Mes cousins, mes cousines, mon frère, tout le monde, mes tantes, enfin bon, tout le monde quoi. Tout le monde sauf un, moi. En découvrant petit à petit que les amis proches savaient, en tout cas avaient déjà entendu cette histoire, ça l'a fait encore plus plonger, je pense, oui. J'ai pas leur reprocher quoi que ce soit. C'était pas à eux de me le dire, ni à mes cousins, ni à mes cousines de me le dire. C'était à ma mère de me le dire. Je pense que la seule responsable de ces choses-là, c'est ma mère et c'est rien d'autre. Oui, ça l'a mis en colère, bien sûr. Ça l'a mis très en colère. Et Nicolas, Dieu sait s'il sait se mettre en colère. Oh là là. Confrontée à la colère de son fils, Christiane n'a plus le choix. Elle doit se replonger dans son passé. Un passé douloureux qu'elle avait occulté pendant de nombreuses années. Je lui ai raconté toutes les choses qui sont arrivées depuis sa naissance. Je me suis mariée à l'âge de 24 ans. Je désirais naturellement avoir des enfants. Jacques et Christiane, oui, c'était un couple qui adorait les enfants. Ils avaient un besoin d'enfants parce qu'ils étaient heureux avec les enfants. Ayant fait une grossesse extra-utérine, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu en avoir. Après plusieurs examens, après plusieurs consultations, je ne pouvais pas avoir d'enfants, c'était définitif. Alors nous avons décidé d'adopter, mon mari et moi, un enfant. Nous nous sommes adressés à une association qui s'appelait Les Nids de Paris et qui nous ont bien reçus, bien écoutés, bien pris des notes. Ils nous ont dit qu'ils pensaient que nous étions aptes à avoir un enfant et ils nous ont dit malheureusement, il faudra patienter. Ma mère au départ ne pouvait pas avoir d'enfant. On lui disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc, je peux pas répondre à sa place, mais comme je dirais, comme toute femme aujourd'hui qui désire avoir un enfant, est prête à tout pour avoir un enfant de n'importe quelle façon. Moi, personnellement, je ne lui posais pas de questions quand elle m'a parlé qu'ils voulaient tous les deux adopter un enfant. J'évitais, je ne voulais pas leur faire de peine si ça ne marchait pas, donc j'en parlais pas. Christiane et Jacques, son mari, réalisent qu'ils vont devoir patienter de longues années avant de pouvoir adopter un enfant. Cette idée leur est tout simplement insupportable. Alors Jacques va tout faire pour trouver une solution. Mon mari est venu me dire, je connais madame la libraire, qui était dans le même cas que toi, et qui a pu adopter un enfant. Alors, il serait possible également que tu fasses la même chose qu'elle. Elle nous indiquera comment faire pour contacter une certaine personne. Elle a entendu parler qu'il y a certaines personnes qui adoptaient des enfants via cette clinique du Val-de-Marne. Et donc elle s'est mise en relation avec cette clinique par l'intermédiaire d'un médecin.
Et il lui a dit effectivement que c'était possible d'adopter un enfant dans certaines conditions. Alors, on nous a adressé à un médecin. Le médecin nous a dit qu'il y avait une possibilité d'avoir un enfant parce qu'une personne ne voulait pas garder l'enfant parce qu'elle faisait un riche mariage et que pour cette raison, elle ne pouvait pas garder l'enfant. Si nous étions d'accord, nous pourrions remplacer la mère, ce que je pourrais remplacer la mère. Nous n'avons pas réfléchi. Nous avons donné notre accord tout de suite, puisque c'était ça se présentait vraiment comme une chose inespérée. On m'a même dit à moi, vous faites comme si vous attendiez l'enfant. J'ai commencé par tout de suite acheter des petits vêtements, tout ce qu'il fallait pour un bébé. J'étais transformée. J'étais transformée en future maman, carrément. Hein. Il y a eu un coup de fil, une voix m'a dit, parce que c'est moi qui ai reçu l'appel, qu'un petit garçon était né. Voilà. Et qu'on allait l'amener dans quelques heures. Alors naturellement, c'était l'ivresse. C'était la joie. C'était la joie. J'étais maman d'un petit garçon. J'étais maman d'un petit garçon. Je me souviens d'une dame qui est arrivée avec un bébé. On a mis ce bébé sur le matelas allongé sur la grande table de ferme qu'il y avait dans la pièce. On a habillé le bébé. C'est ma tante qui a habillé le bébé, aidée de la dame, ou les deux en même temps. Et après, on est allé déposer Nicolas dans ce berceau. Et là, évidemment, le grand bonheur, et on a dû rester un bon moment le regarder. Le médecin nous a fait promettre, hein, de ne jamais révéler à l'enfant le secret de sa naissance, que c'est un secret, j'ai promis et j'ai tenu ma promesse. Ma mère avait tout organisé à mon arrivée pour dire effectivement que personne ne devait me révéler cette chose-là, quoi. Voilà. Et au fil du temps, c'est rentré dans les mœurs, personne n'a dit quoi que ce soit, tout le monde avait oublié. Bon. Quand ils ont adopté Nicolas, ils nous ont dit c'est notre enfant, on n'a pas à dire qu'il était adopté. Voilà. Ce qui nous a été demandé au cabinet médical, nous l'avons répété strictement à la famille. Et que Nicolas ne devait absolument pas savoir et le secret de sa naissance, que c'était un secret de famille, que ça devait rester comme ça, un secret de famille. À l'arrivée de Nicolas, toute la famille s'enferme dans le secret. Les semaines, les mois, les années passent jusqu'à ce qu'un miracle se produise. En 1968, Christiane tombe enceinte. Avec la naissance de Vincent, la famille s'agrandit. Mais il reste un problème. Nicolas ne porte pas le nom de ses parents. Alors, pour conserver le secret de son adoption, sa légitimation devient une question cruciale. Mon mari et moi, nous étions d'accord pour le légitimer. Nous avons fait une demande de légitimation. Nous avons reçu une convocation. J'y suis allée voir le procureur. C'était le procureur à Corbeil. Il m'a dit de lui expliquer exactement pourquoi je demandais la légitimation, comment j'avais eu cet enfant. Et je lui ai dit, je lui ai raconté exactement ce qui s'était passé. Là, je suis tombée de haut. Ce jour-là, le procureur m'a dit que cette adoption n'était pas légale. Que je demandais la légitimation, mais que cette adoption n'était pas légale. Il m'a dit, je connais très bien ce médecin,
mais je ne peux rien faire contre lui parce qu'il a fait beaucoup de bien autour de lui. Ne vous inquiétez pas, vous aurez quand même votre légitimation. » C'est exactement les paroles qu'il a prononcées. J'étais soulagée qu'il m'ait dit ça. J'étais vraiment soulagée. Nicolas connaît maintenant l'histoire de son adoption. Mais deux questions l'obsèdent. La première, qui sont ses parents biologiques? Et la seconde, pourquoi l'ont-ils abandonné? Quand j'ai su que j'étais un enfant adopté, effectivement, j'ai tout de suite voulu savoir d'où je venais sans aucune hésitation. Et ma plus grande volonté, c'était de découvrir la vérité. Moi, j'ai cette image-là, quand je me rase tous les matins, je me rase et je me dis à qui je ressemble? À qui je ressemble? Bah, à personne, parce que je connais personne. Donc pour moi, j'ai pas de père, j'ai pas de mère, j'ai pas de cousin, j'ai pas de cousine, j'ai rien. Depuis qu'il a appris son secret, je dirais quasiment une obsession. C'est-à-dire qu'il a besoin de savoir d'où il vient, de savoir qui était sa mère biologique, ou en tout cas de connaître quelque chose de son histoire, de la famille biologique. Nicolas, c'est un homme maintenant, un homme qui souffre. Parce qu'il voudrait connaître, il aime sa maman, il aime sa famille, mais il voudrait connaître sa famille. Les géniteurs, il voudrait les connaître, et malheureusement. Quand vous prenez le métro, quand vous croisez des gens dans la rue, vous avez l'impression, vous dites, c'est peut-être mon père, c'est peut-être ma mère, c'est peut-être mon frère ou ma sœur. Et là... L'année dernière, quand je lui ai souhaité son anniversaire, j'étais chez lui, je lui ai dit bon anniversaire. Il m'a dit, tu vois, il y a 48 ans, j'étais jetée comme un chien dans une poubelle. Donc c'est pour lui son anniversaire. Maintenant, c'est la date de son abandon et pas un anniversaire. Moi, je vais aller jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Jusqu'à la fin de mes jours, j'irai jusqu'au bout. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir à qui je ressemble. Je sais que s'il a la chance de retrouver, ne serait-ce qu'un détail d'où il vient, où était sa mère, ou même si sa mère n'était plus là, qui elle était. Alors là, je suis sûre que Nicolas irait mieux. Je suis sûre qu'il irait mieux. Son caractère resterait le même, parce que quand on a un caractère, on le garde toute sa vie. Mais il serait différent. Commence alors pour Nicolas une quête difficile. Adopté illégalement, il ne dispose d'aucun acte de naissance. Sa mère biologique ne figure dans aucun registre de la maternité. Il ne lui reste alors qu'un seul espoir, retrouver le fameux médecin, celui-là même qu'il a confié à ses parents adoptifs il y a près de 44 ans. J'ai téléphoné à l'ordre des médecins et donc j'ai appris que le docteur qui exerçait dans cette clinique-là et qui a participé, je dirais, à cette opération, était décédé. Ah, il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas quoi faire. Et quand il m'a appelé, j'avais l'impression qu'il me tendait la perche pour que je puisse continuer les recherches. Tout à fait. Ce que j'ai fait, d'ailleurs. En faisant mon enquête de voisinage, j'ai appris que la femme du docteur demeurait sur la côte. Cette enquête de voisinage va également révéler une autre information capitale. La femme du docteur exerçait la profession de sage-femme. C'est peut-être elle qui a accouché la mère biologique de Nicolas. Ma mère m'avait donné le nom de la sage-femme. Je fais une recherche nationale dans les pages blanches, dans le bottin. Donc j'en appelle quelques-unes et j'essaye de regarder si c'est cohérent par rapport à la date. Et je tombe donc sur cette dame-là, même prénom, même nom. Je l'appelle immédiatement. Là, j'essaye de lui expliquer en 3-4 mots que je suis à la recherche d'une certaine personne. Est-ce que vous êtes bien la personne? Et cette personne me dit oui. Et elle me dit, j'ai des choses à vous dire, vous pouvez venir me voir.
Il m'a dit, prépare-toi, on va aller sur la côte. Je sais qu'elle est dans une maison de retraite. Pendant le voyage, on se pose un certain nombre de questions. On essaye de se détendre. On est assez stressé. Bon, on ne sait pas trop comment aborder les choses. On est... Il y a beaucoup d'enthousiasme, et puis en même temps, bon, faut savoir se tempérer. C'est pas facile à gérer tout ça, essayer de canaliser toutes ces choses-là. Nous avions hâte d'être arrivés et de savoir comment ça allait se passer, mais avec un peu d'inquiétude quand même, l'un et l'autre, avec un peu d'inquiétude. Donc on arrive dans cette maison de retraite, on va dire assez banale, classique. Cette femme était dans un réfectoire avec un bonnet qui entourait ses cheveux, avec une multitude d'autres personnes du même âge, et on l'a fait monter dans sa chambre, on nous a conduit dans sa chambre. Nicolas était resté dans l'entrebâillement de la porte. Moi, je n'osais même pas le regarder, Nicolas. Ah oui, c'est trop dur. Je suis reposé un certain nombre de questions, puis c'est là qu'elle m'a dit, ah mais non, je suis pas la femme de monsieur machin, j'ai jamais été la femme d'un docteur. Bon, genre, la journée flinguée, et puis tous nos espoirs anéantis en 5 minutes. Sur le chemin du retour, c'est curieux parce que je m'attendais à pas une explosion de colère, mais un énervement, pas du tout. Il était calme, très calme. Si on peut dire ça comme ça, ça m'a mis plusieurs coups. Et je me suis dit, bon, ben, tant pis, on va rechercher autrement, d'une autre façon, on va fouiller différemment. Christiane et Nicolas reprennent leur enquête à zéro. Ils interrogent à nouveau l'entourage du médecin, font le tour des hôpitaux, des cliniques, des maternités et des services sociaux. Et leur persévérance va finir par payer. Après plusieurs mois de recherche, ils finissent par retrouver la trace de la véritable sage-femme. J'ai retrouvé l'adresse de la sage-femme. Je suis allée à l'adresse indiquée, la maison était fermée, je me suis adressée à la maison voisine, et là, nous avons appris que la sage-femme était décédée depuis un mois, 15 jours, un mois. La destinée a voulu que les choses se passent comme ça. J'en veux à ma mère parce que je pense qu'elle me l'a dit un peu tard par rapport à nos recherches engagées, parce que beaucoup de gens sont morts aujourd'hui, voilà. Et que c'est de plus en plus difficile de retrouver des personnes vivantes qui ont participé à cette adoption. Alors Nicolas m'a un peu laissé le champ libre pour rechercher. Je me suis creusé la tête, comment je pourrais faire. J'ai cherché la rue qui correspondait au cabinet du docteur et s'il y avait des gens qui demeuraient. J'ai trouvé 2 ou 3 personnes. Alors, le voisin m'a dit, la deuxième fille du docteur, nous l'avons vue enceinte, et elle est partie, nous n'avons pas su si elle avait accouché, si elle avait eu un enfant. Alors moi je me suis dit, ça y est, j'ai tapé dans le mille. Alors, à ce moment-là, une amie, Florence, m'a proposé son aide, que j'ai trouvée vraiment inespérée, si, parce qu'elle était vraiment très... Elle me paraissait très compétente pour ça. J'ai pensé que je pouvais l'aider dans le sens où moi, j'avais travaillé dans une administration, dans un service d'état civil, et que j'avais été amenée à faire des recherches généalogiques. Et c'est là que je me suis dit que je pourrais peut-être faire d'autres recherches qui permettrait d'aller un petit peu plus loin et d'en savoir plus. À ce stade, je me dis, je dois retrouver la fille du médecin. Après plusieurs semaines d'enquête, Florence parvient à localiser la fille du médecin. Nicolas touche enfin au but. Cette femme est forcément sa mère, il en est persuadé.
Nicolas décroche son téléphone. La conversation s'engage. Elle me reçoit très mal. Elle a une réaction assez violente, très, très désagréable. Mais elle s'intéresse néanmoins. Ce qui me déstabilise encore plus. Parce que si ça ne t'intéresse pas, si tu n'es pas concerné, et si tu sais que tu n'as pas été enceinte, tu n'es pas enceinte, point final, au revoir monsieur, bonne chance pour la suite. Mais si l'autre personne s'intéresse, en ne voulant pas donner d'informations, mais s'intéresse à cette situation, c'est très dérangeant. Ça aurait pu être ma mère en l'occurrence, puisque j'ai appris que cette personne-là était enceinte quasiment à cette même période. C'était très troublant. Après le coup de fil que Nicolas a passé à la fille du docteur, nous ne sommes pas beaucoup plus renseignés parce qu'elle ne fait pas de grandes révélations. Elle reste très, très frileuse pour parler. J'étais, complètement perturbé par rapport à ça parce que j'avais l'impression d'avoir mis le doigt sur quelque chose que je ne pouvais plus maîtriser en l'occurrence. On trouve son attitude un petit peu curieuse. Le fait qu'elle se souvenait de cette histoire très longtemps après me fait penser qu'elle sait qui est la mère et qu'elle ne veut pas nous le dire, que c'est un secret. Nicolas, merci d'être avec nous ce soir. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, Nicolas, c'est est-ce que vous avez avancé dans vos recherches? Où en êtes-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous savez de la fille du médecin? Aujourd'hui, j'en suis convaincu, ce n'est pas ma mère. Parce qu'elle est tombée enceinte trois ans après, je dirais, ma naissance. Voilà. Donc ça ne concorde pas? Aucune concordance. Voilà. C'est une mauvaise piste. Oui, voilà. Elle ne peut pas être votre mère. Non. Vous en êtes donc revenu à la case départ, si je puis dire. Oui, hélas, voilà, une nouvelle fois. Mais donc, de toute façon, c'est notre lot d'une certaine façon. On revient souvent à la case départ lorsqu'on fait des enquêtes comme ça et surtout lorsqu'on part de rien. Voilà. Aujourd'hui, vous avez une famille, oui. Des enfants, oui. Une mère adoptive qui vous aime, oui. Une très entourée, des amis aussi qui sont très proches de vous. Tout à fait, qui sont très importants pour moi. J'aimerais qu'on comprenne vraiment pourquoi cette recherche est essentielle pour vous. Alors dans la vie, effectivement, on a la possibilité de choisir. Soit on a envie de connaître, soit on n'a pas envie de connaître, soit on a envie de poursuivre ou ne pas poursuivre. Moi, je fais partie plutôt des gens qui ont envie de connaître et qui ont envie de poursuivre un petit peu cette histoire pour avoir raconté quelque chose à mes enfants. Simplement, pour moi, c'est quelque chose d'important pour savoir à qui j'appartiens, à qui je ressemble. C'est fondamental. Vous êtes assez opiniâtre, on l'a vu dans le document. Il y a quelques semaines, vous avez décidé d'avoir recours à des tests ADN. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Exactement. L'espoir, c'était de trouver des cousins le plus proche possible. Et après, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué. Et malheureusement, c'est ce qui a été le cas. On a trouvé effectivement des personnes quatrième, cinquième rang, donc ce qui complique encore plus, je dirais, notre tâche de recherche. Et donc, on va essayer de les contacter pour savoir s'ils n'ont pas connu, je dirais, peut-être des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui seraient issus de Paris ou de la région parisienne. Voilà, c'est une chance sur je ne sais pas combien, mais donc il faut effectivement aller jusqu'au bout de cette enquête, parce que pour moi, c'est quelque chose de très important. Nicolas, on ne sait pas si votre mère vous a abandonné délibérément. Si vous aviez été volé à la naissance? Malheureusement, aujourd'hui, j'en sais rien. Je suis, je dirais, avec toutes mes interrogations. Donc, je peux me poser, je dirais, un certain nombre de questions. J'étais...
suis rempli effectivement d'incertitudes, soit je suis dans l'abandon, je dirais, total, c'est une probabilité. Ouais. Et puis de l'autre côté, je peux être aussi dans un autre cas en disant qu'on a volé cet enfant à cette femme-là. C'est une autre aussi probabilité. J'en sais rien du tout, donc aujourd'hui, j'ai pas... j'ai pas de haine contre ces gens-là. Je veux simplement, je dirais, retrouver mes parents pour savoir à qui je ressemble. Pour moi, c'est fondamental. Et peut-être, à ce moment-là, savoir si j'ai peut-être des frères et des sœurs qui peut-être, de l'autre côté aussi, du tunnel aussi, me recherchent. C'est pour ça que je lance un peu, je dirais, cet appel à témoins aujourd'hui. Oui. Pour moi, parce que c'est fondamental. Donc, je suis né à Villeneuve-Saint-Georges un 6 juillet 62. Et je voulais savoir quelles étaient les personnes qui seraient susceptibles d'avoir connu peut-être mes parents ou rencontré peut-être des personnes qui auraient peut-être été le témoin de certaines choses. Eh bien, donc si vous avez des informations sur la mère biologique de Nicolas ou sur le père biologique de Nicolas, et vous pouvez nous contacter, nous envoyer des informations sur le site de notre émission ou sur l'adresse qui figure à la fin de notre générique. Et nous transmettrons bien sûr toutes ces informations à vous, Nicolas. Merci beaucoup, Nicolas. C'est moi qui vous remercie. Voici maintenant un récit poignant où s'entremêlent manipulation et machiavélisme, amour et haine. C'est celui de Françoise, dite Fanfan, une femme victime d'un secret de famille que ses propres enfants ne soupçonnent même pas. Le combat de toute une vie pour découvrir la vérité à travers une page sombre de notre histoire. Quand je regarde ce parcours, je me dis que je suis... Je pourrais pas le refaire, quoi. Ça m'a épuisé, tout ça. Je pourrais pas le refaire. C'est quelqu'un qui a eu une vie extrêmement douloureuse et qui a une espèce d'élégance, de pudeur, de prendre ça avec un grand sourire, alors que j'en connais beaucoup qui ne se seraient jamais remises d'une enfance pareille. Dans l'univers du spectacle et du divertissement, Fanfan est une référence. Elle est programmatrice artistique. C'est elle qui invite les artistes dans les grands shows télévisés. Durant des années, elle a promené son élégante silhouette sur des centaines de plateaux de cinéma et de télévision. J'ai commencé ma carrière avec Jean-Claude Brialy pendant 7 ans. J'ai fait tous ses films. Ensuite, il m'a présenté à Marité à Gilbert Carpentier, que j'adorais. Et puis là, je suis restée 25 ans avec Marité à Gilbert Carpentier à faire des numéros 1, des shows extraordinaires, et avec tellement d'artistes, tellement de stars, que c'était toujours la fête, quoi. C'était vraiment bien. C'est ça que je cherchais, en fait, la fête. Nous étions voisins de plateau, si j'ose dire, avec les Carpentiers, hein, puisque moi je faisais des émissions du dimanche après-midi au but de Chaumont, et avec les Carpentiers, c'était Noël tous les samedis. Il n'y a pas une émission qui a fait plus rêver que les Carpentiers. Et voilà, et personne ne saura jamais qu'il y avait une petite fille qui le jour avait envie de pleurer et qui sur les plateaux des Carpentiers avait envie de sourire. Parce que quand on la voit ce soir avec ce sourire, cet œil bleu pétillant, cette joie de vivre, ce bonheur. On ne peut pas imaginer que Fanfan a connu l'enfer. Je ne voulais pas le réel. C'était très éprouvant pour moi et je savais que cette branche-là m'apportait du rêve et que je pourrais tenir debout. Et ça occultait complètement toute la face sombre que j'avais. Elle est d'une ultra-sensibilité. Elle peut passer du rire aux larmes. Elle peut avoir envie de faire la fête et puis d'un seul coup avoir un voile sombre dans le regard, dans ce regard bleu, où on sent qu'elle est très triste, qu'elle est mélancolique. C'est quelque chose qui a dû l'empêcher de dormir pendant des années, parce qu'on ne dort pas bien quand on a ça, quand on a ce secret de famille qui pèse de tout son poids. L'histoire de Fanfan débute sous une mauvaise étoile.
Nous sommes le 2 janvier 1945. Fanfan est une enfant non désirée. Sa mère la place en famille d'accueil, puis dans une institution religieuse. Les premières images, c'est chez les sœurs, où on se faisait tout le temps disputer pour un oui, pour un non, c'était terrible. On était tout petits, hein, vraiment, mais bon, elles étaient pas gentilles. Hein. On était placés là pour un petit moment, en attendant que peut-être que la mère se rétracte. C'était quelque chose comme ça, quoi. On était comme des petits canards, là. On était tous sur des bancs. Il y avait une espèce, soi-disant un cachot noir, mais ça devait être une petite pièce. Et si on n'était pas gentil, elle nous menaçait toujours du cachot noir. Je devais avoir 3 ans, un truc comme ça, quoi, pas plus. Ça marque quand même ça. Entre nous, on se disait intérieurement, parce qu'il ne fallait pas trop parler, moi j'ai une maman, c'est une fée, elle est belle, elle va venir me chercher. On pensait qu'à ça, tous, hein. Puis la nuit, moi je me souviens très bien, on pleurait et on appelait nos mamans. J'entendais, moi je disais rien et j'entendais les autres petits-enfants dire « je veux ma maman » comme un enfant dit, quoi. Ensuite, on m'a placée dans des fermes, dans les Landes, dans la Sarthe, en Bretagne aussi. Il fallait être utile, cueillir les haricots, ramasser les pommes de terre, donner à manger aux lapins, aux cochons. Et c'est une horreur parce que ça sent très mauvais et c'est très moche un cochon. Et j'étais trop petite, j'arrivais pas à tenir le seau. Ils me faisaient peur, ils étaient énormes, sales. Enfin bon, j'étais pas toute seule, il y en avait d'autres comme moi. Après la guerre, les enfants accueillis rendent des services. On pouvait utiliser plus facilement les enfants aux travaux des champs ou à s'occuper des animaux. Donc, c'était des placements ruraux, souvent chez des femmes seules, souvent âgées, souvent dans des milieux très modestes. Parce que comme il n'y a pas de salaire, mais il y avait une petite pension, ça attirait que des gens qui avaient des revenus modestes et qui pouvaient être intéressés malgré la faiblesse de la pension. On leur donnait une médaille avec un numéro, et chaque année, l'inspecteur passé pour vérifier que l'enfant était toujours vivant et qu'il était bien là. Parce que sinon, il y a des personnes, l'enfant était décédé, mais il continuait à recevoir la pension pendant des années et des années. Alors, c'était pas le tatouage, mais encore que ça n'était pas très loin. La vie, elle était rien. Ils remplissaient leur mission, ils nous donnaient à manger, on avait un toit, il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de tendresse, il n'y avait rien. De tout ce que nous, on avait besoin, ils ne nous le donnaient pas, quoi. Ce qu'on peut regretter dans les placements de l'époque, c'est qu'il y avait une grande discontinuité. L'enfant ne restait pas très longtemps. Alors c'était souvent quelquefois 6 mois, quelquefois 1 an, quelquefois 2 ans. C'était les assistantes sociales de l'époque qui disaient aux familles d'accueil, parce qu'elles voulaient éviter les difficultés à venir, évidemment, ne vous attachez pas trop. C'est vrai que quand on aime, on s'expose à souffrir. Si on aime, on s'expose à... Chaque rupture est une souffrance. Alors que si on n'aime pas, si on ne s'attache pas, c'est plus facile. Mais on sait aujourd'hui qu'il vaut mieux souffrir et avoir été aimé que ne pas avoir été aimé. On regardait les vrais enfants des fermes bien s'amuser. Puis nous, on était là à les regarder, les envier, quoi. C'était évident. On savait qu'on n'était pas comme les autres et que, voilà, il fallait poser aucune question, en fin de compte. Par contre, la Bretagne, j'ai des souvenirs très émus parce que il y avait une dame, ils ne parlaient pas en Bretagne, personne ne se parlait, c'était curieux. Et cette dame, je la trouvais très belle parce que le dimanche pour la messe, elle mettait plein de jupons noirs, ses beaux cheveux noirs qu'elle lissait. Et savoir qu'une chevelure pareille finissait pas plus gros qu'une pomme sous sa coiffe, c'était incroyable. On mangeait des crêpes le vendredi et on allait à l'église. Alors ça, j'étais contente. J'ai un très beau souvenir de la Bretagne. Nous sommes au début des années 50. Fanfan a 6 ans. Elle a grandi sans amour et attend une vie meilleure. Un beau matin, une certaine Brigitte vient récupérer la petite Fanfan dans sa famille d'accueil. Et sans aucune explication, Fanfan part alors vivre chez Brigitte et son mari en banlieue parisienne, à Choisy-le-Roi. C'était un HLM, ça je m'en souviens très très bien.
C'était limite choisir le roi Orly, c'était tout en haut, dans un terrain vague, les HLM, quoi. Je m'en souviens très très bien. J'avais un recoin, c'était une sorte de pièce qui est pas finie, enfin qui a pas de cloison. Et puis il y a une toute petite cloison, puis derrière, je couchais là. Cette Brigitte, c'était une femme qui n'avait absolument aucune éducation, aucune instruction, et qui avait rien à dire, en fait, rien. Elle était haineuse de la vie, haineuse de sa vie. Elle n'aimait pas sa vie, cette femme. Elle était mariée avec un monsieur merveilleux, parce qu'il la supportait déjà. Puis en plus, il avait été dans un stalag pendant la guerre. Il était revenu usé. Il avait envie d'avoir la paix, donc il avait trouvé une façon à lui d'avoir la paix, c'est qu'il buvait beaucoup. Elle avait des crises qui montaient et je voyais qu'elle allait taper, quoi. C'était clair, je la voyais se transformer. Elle était tellement forte et tellement terrible que moi je disais rien, les coups pleuvaient et je ne disais rien, je me laissais taper dessus, je cachais mon visage, puisque elle c'était toujours sur le visage et toujours les cheveux et puis son mari, donc je lui ai demandé plusieurs fois, je dis quelque chose, dis quelque chose. Alors elle m'a demandé qu'est-ce que je dise, t'es même pas ma fille. Ils avaient des habitudes d'aller chez un couple avec des enfants. Bon, ils avaient des copains, des amis, comme tout le monde. Et puis, ces mêmes personnes venaient aussi chez eux. Et comme ils devaient boire pas que de l'eau, à mon avis, tous. Et donc, à la fin des repas, ça se terminait toujours dans des drames épouvantables, dans des engueulades entre eux, mais mémorables. C'était terrible. Et je me disais, mais c'est pas vrai, mais qui sont ces gens? Et je ne savais pas qui étaient ces gens. Mais ça se terminait toujours dans des reproches épouvantables, dans des trucs avec tout ce que j'ai fait pour toi, enfin des trucs épouvantables. Et il devait y avoir un lourd secret entre elles deux, parce que c'était pas... Pour qu'il y ait autant de haine entre ces deux femmes, et que vraiment... Vraiment... Comment est-ce possible? Les conditions de vie de Fanfan sont extrêmement précaires. La misère et l'alcool sont le quotidien du couple chez qui elle réside. Entre violence et brutalité, Fanfan sent bien qu'elle est de trop. Il n'y avait pas d'amour, quoi. Elle ne m'aimait pas. Le truc, il est là, c'est qu'elle ne m'aimait pas. Franchement, j'ai passé toute mon enfance dans la haine, quoi, des autres. Je dis, mais qu'est-ce que je vais devenir là-dedans, moi? Je regretterais presque les fermes. J'avais quand même compris dans les grandes lignes qu'il s'agissait, qu'on était quand même sur un sujet très grave, qu'on était sur de la maltraitance, qu'on était sur de la souffrance, qu'on était sur de l'abandon. Et donc ça a suscité en moi une rage, une colère, une haine, un besoin de protéger ma mère contre son passé, sans vraiment l'avoir compris, sans vraiment l'avoir cerné. C'est juste cette souffrance que j'arrivais quand même à percevoir chez elle. Et je me rappelle très bien rêver la nuit d'être en colère et de frapper quelqu'un qui lui faisait du mal. Elle me disait tout le temps, de toute façon, t'as bien de la chance que je te nourrisse, parce que ta mère, c'est une putain, et tu seras comme elle. Ouais, sympa, hein. Moi, je me disais, Brigitte, continue ta haine, parce que comme ça, au moins, je sais que je viens pas de là, qu'il y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est foutre le camp là-dedans, et de jamais avoir ta vie, je lui disais pas, hein, forcément. Et comme cette femme voulait tellement qu'on dise que c'était une sainte, la Brigitte, elle allait à l'école raconter que j'étais abandonnée et de père inconnu. Et ça m'a travaillé toute ma vie, parce que en fin de compte, j'aurais préféré qu'on me dise ton père est mort plutôt père inconnu. Ça, c'était pas possible pour moi. Je digérais pas ça. Père inconnu, c'est pas possible. Donc père inconnu, pour moi, c'était affreux. Nous sommes en 1958. Fanfan est âgé de 13 ans. La jeune adolescente tente de se construire. Un exercice difficile. Car à la maison, Brigitte joue avec ses sentiments et ne lui a pas tout dit sur son père. Souvent cruelle, elle ne lui épargne rien, pas même le pire. Un jour, je prends une douche et elle me dit, tu sais, tu te laves avec la graisse de ton père.
Donc j'ai lâché le savon. Je dis, c'est la graisse de mon père. Elle me dit, oui, parce que tu savais pas, mais on faisait du savon avec la graisse des Juifs. Voilà, j'ai appris que mon père était juif comme ça. Elle me l'a dit pour me massacrer, quoi. De toute façon, elle a réussi. Elle, sur le coup, j'étais massacrée parce que d'abord, je comprenais rien. Mais quand même, me laver avec la graisse de mon père, alors ça m'a totalement détruite sur le coup. Et puis après, je me suis dit, bon, ben, de toute façon, maintenant, je sais que j'ai un père, un vrai de vrai. Et donc, je suis partie voir le curé à Choisy-le-Roi. Et lui, il m'a expliqué l'histoire de la Shoah. Et gentiment, tout doucement, il était horrifié de savoir qu'on m'avait appris ça comme ça. Et il m'a expliqué, t'as sans doute un papa juif. Et comme elle t'a dit la graisse de ton père, ben, il a dû être exterminé. Voilà. Il m'a expliqué l'histoire de l'extermination dans les camps. Et j'étais, je dois dire, scotchée complètement. Je ne savais plus si je devais prier, pas prier. J'avais appris quelque chose. Tal Bruitmann, vous êtes historien. Merci d'être venu répondre à nos questions. Fanfan s'entend dire « tu te laves avec la graisse de ton père ». Que signifie cette histoire de savon et qu'est-ce que cela veut dire ? C'est une rumeur qui est née pendant la guerre, dès 1942, qui voudrait que les Juifs, une fois assassinés, sont utilisés pour faire du savon à partir de graisse humaine. Et cette histoire-là, elle va parcourir toute l'Europe très rapidement. On la retrouve aux quatre coins de l'Europe pendant la guerre même. Et ensuite, elle va faire souche, s'enraciner, et être pensé par les gens comme étant une histoire véritable. Mais pourquoi cette rumeur ? On ne sait pas exactement pourquoi, ni comment, mais une fois qu'elle se développe, elle s'enracine, et surtout, il y a un événement qui va l'auto-justifier d'une certaine façon, c'est qu'en 1944, des scientifiques allemands à l'Institut anatomique de Dantzig vont essayer de faire du savon à partir de graisse humaine. Ça va rester qu'une tentative, mais de fait, en existant, cette tentative va venir valider après coup la réalité. En revanche, on sait que les nazis ont utilisé, notamment à Auschwitz par exemple, des restes des victimes juives pour faire par exemple des matelas avec des cheveux ou du tissu à base de cheveux, ou utiliser les cendres comme engrais dans les champs aux alentours. Malgré la violence insupportable de cette révélation, Fanfan obtient deux informations. La première, terriblement douloureuse à entendre, son père est mort. La seconde, Fanfan aurait des origines juives. Alors, pour poursuivre sa quête d'identité, Fanfan se raccroche à son dernier espoir, sa mère. J'idéalisais ma mère. Ma mère, c'était ma fille aux grands cheveux blonds, aux yeux verts. Et je n'en démordais pas. Et de toute façon, un jour, je la retrouverai. On se ferait plein de bisous. Et j'écrivais des poèmes pour elle. C'était la plus belle du monde. Et je la dessinais. Alors, avec des cheveux blonds, forcément. Voilà, je pensais qu'à ça. Nous sommes au début des années 60. Les temps sont durs pour la famille d'accueil de Fanfan. Alors, un matin, Brigitte décide de la déscolariser pour l'envoyer travailler à l'usine. Pour Fanfan, ce coup du sort va s'avérer être en réalité un coup de chance. Là, je fais une rencontre magique, parce que je pense que cet homme dont je me rendais compte à l'âge que j'ai, je me souviens le nom de cet homme, il s'appelait Michel Poutrin, très très grand et très gentil. Et il était contremaître de toutes ces femmes, contremaître de l'usine des femmes. Et il a dû se dire, comme il avait des enfants, c'est un monsieur formidable, il a dû se dire, mais qu'est-ce que fait ce petit bout de chou-là, toute seule, c'est pas possible. Puis il m'a offert un livre, « L'homme, c'est inconnu ». Ça, voilà, le premier livre de ma vie que j'ai lu, c'est « L'homme, c'est inconnu », offert par ce Michel Poutrin. Il a demandé au directeur de l'usine de me payer des cours de sténodactylo et d'avoir un diplôme de sténodactylo. Et si je l'avais, on m'enverrait à Paris. Et voilà quoi. Il a été déterminant pour moi, cet homme-là. Il fallait que j'apprenne la dactylo, la sténo, les signes hein, quand même. Et donc forcément, j'allumais la lumière dès qu'ils étaient couchés, la Brigitte et son mari. Mais elle voulait pas, alors donc elle avait trouvé une astuce folle, c'est qu'elle m'avait retiré la lampe. Voilà, donc je pouvais plus allumer la lumière pour apprendre les signes.
d'eau gel aux toilettes. Et j'ai essayé de ruser, elle avait retiré aussi la lampe des toilettes. J'en avais tellement marre qu'une fois j'ai voulu me suicider. Alors on m'avait raconté que si je prenais de la bière avec de la cendre de cigarette, j'allais mourir, donc je l'ai fait. J'ai ramassé tous les cendriers des gens qui fumaient, j'ai mis ça dans un gobelet et j'ai piqué de la bière à un des hommes de l'usine et je me suis avalé ça d'un trait, j'ai attendu la mort. Quoi. Bon, évidemment, je suis pas mort. Mais j'en avais vraiment assez, j'avais envie de... Vraiment, là j'en avais vraiment marre. Quoi. Quelques mois plus tard, grâce à son courage et à sa volonté, Fanfan obtient son diplôme de sténodactylographie. Très vite, elle décroche un premier emploi dans une imprimerie parisienne. C'est sur son lieu de travail que Fanfan fait une rencontre décisive. Son premier amour. Un jour, il m'attendait en bas du bureau, puis il m'a dit « J'aimerais bien qu'on aille au cinéma et tout ça, mais j'ai pas le droit. Je n'ai absolument pas le droit de sortir, je suis chronométrée, je n'ai pas le droit de sortir. » Alors il m'a dit « Bah, écoutez, si vous voulez, au lieu de prendre le métro et l'autobus, de temps en temps, je vous ramènerai avec ma voiture jusqu'à chez vous, comme ça on pourra parler dans la voiture. » Et donc, moi, j'étais contente. Hein. C'était Las Vegas pour moi, hein. Sa voiture. C'était une 2 chevaux camionnette. Mais c'était, d'un seul coup, c'était extraordinaire. Quoi. Et il chronométrait pour pas que je sois en retard, pour pas que je me fasse taper dessus. Mais pendant ce temps, il me parlait. Et je lui dis, j'ai pas le droit. C'est ou le mariage, ou j'ai pas le droit de sortir. Quoi. C'est comme ça. Et je suis placée chez elle jusqu'à 21 ans. J'en avais que 14. Donc, il était obligé d'aller demander ma main, quoi. Et moi, j'étais très contente parce que je savais que dès l'instant où je serais mariée avec lui, je serais majeure. Et je serais plus sous la coupe de cette femme. Pour Fanfan, ce projet de mariage est une bénédiction. L'occasion de fuir un foyer où elle est maltraitée. De voler enfin de ses propres ailes. Mais il reste encore un détail à régler. Obtenir l'autorisation de Brigitte. La Brigitte, elle dit oui, mais comme t'es mineure... Il va falloir l'autorisation de ta mère biologique, ta vraie mère. Elle disait comme ça, ta vraie mère. Bon, je ne savais pas de quoi me parler, enfin bon, bref. Et alors là, elle est rentrée en contact avec un homme de loi qui a été obligé, lui, de faire des recherches pour retrouver ma mère, ma vraie mère, qui s'était de toute façon remariée depuis longtemps, enfin mariée depuis longtemps. Et donc, il les a retrouvés. Enfin, je vais rencontrer ma reine, quoi, ma fée, ma reine, ma sublime, ma tout, quoi. J'aurais tout pardonné. Elle pouvait me reprendre à 14 ans ou 15 ans, c'était pas grave. Moi, j'étais contente, si elle voulait bien. Voilà. Donc, j'y allais avec plein d'amour, moi, hein, pour la retrouver. Cette rencontre a lieu quelques semaines plus tard. Nous sommes en janvier 1961. Pour la première fois, Fanfan va rencontrer sa mère biologique. À sa grande surprise, ce n'est pas une inconnue. Quand elle a ouvert la porte, j'ai reconnu la femme chez qui Brigitte, son mari et moi, allions très souvent le dimanche déjeuner. Et c'est cette femme dont les repas se terminaient en hurlements, en déferlements de haine, de reproches et de tout nom d'oiseau. Et d'un seul coup, c'était elle, elle était devant moi. Franchement, là c'était terrible. C'était, pour moi, à tous les niveaux, c'était terrible. La grande déception qu'elle m'appelle mademoiselle. En plus, j'ai réfléchi à toute vitesse. Je me suis dit, elle est venue, on s'est vu depuis que je suis toute petite. Moi, je ne fais que de rêver d'elle, de faire des dessins d'elle, de lui faire écrire des poèmes et tout. Et elle était à côté de moi, elle ne me touchait pas, elle ne m'embrassait pas. Elle ne me disait pas, ma petite fille chérie, je suis ta vraie maman et tout ça. Elle ne me disait rien. Elle était vraiment comme quelqu'un de très anonyme qui vient dîner, déjeuner chez des amis. Quoi. C'était imperméable, indifférent. Rien. Son non-amour pour moi, d'un seul coup, elle est devenue laide. En fin de compte, si elle avait été gentille, je l'aurais trouvée très belle. Hein. Si elle m'avait prise dans les bras, embrassée, tout ça, je l'aurais trouvée très belle. La déception de Fanfan est à la hauteur de ses espoirs. Si indifférente soit-elle, cette femme
est donc sa mère. D'un coup, tout s'éclaire. Brigitte est la sœur de sa mère. Fanfan vit donc depuis l'âge de 6 ans chez sa tante. Ça devait être un deal d'enfer entre les deux sœurs. Et c'était un truc, ils avaient dû se jurer des choses quand je suis née. Et bon, chacun restait dans sa logique, chacun restait dans son serment. Et moi, j'ai réussi quand même à dire deux mots en tête à tête à ma mère en lui disant « Mais pourquoi tu m'as laissée ?» Enfin, pourquoi vous, puisqu'elle vous voyait, m'avait appelée mademoiselle. Je dis « Pourquoi vous m'avez laissée ?» Elle m'a répondu « Je ne pouvais pas faire autrement. » Ça, c'est un mot que je n'oublierai jamais. Et je lui ai dit « Mon père, comment il s'appelle mon père ?» Parce que je savais qu'il était juif et tout ça, mais je ne savais pas comment il s'appelait. Et elle m'a dit le nom de mon père. La page est tournée hein, là-dessus. Enfin, je l'ai tournée sans regret. Même pas de remords. Je ne sais pas en plus ce qui est mandé, hein. Qui restent entre eux. Hein. J'ai assez rêvé. J'étais anéantie, mais en fin de compte, j'ai toujours été quelqu'un qui... j'ai vu le positif. Le positif, c'est que j'avais le nom de mon père, voilà. Je savais par l'autre sorcière qu'il était juif, et je savais par elle le nom. Donc le positif, c'était ça pour moi. La porte se fermait sur la mère, mais tout s'ouvrait sur le père. Boris Cyrulnik, vous êtes psychanalyste, vous avez longuement travaillé sur les secrets de famille. Merci d'être avec nous ce soir. Brigitte se révèle être la sœur de la mère de Fanfan. Comment les deux sœurs arrivent à faire un tel pacte vis-à-vis de Fanfan ? Alors, dans les familles, c'est pas rare. Hein. Les pactes familiaux autour de l'inceste, autour d'enfants conçus par un autre homme et gardés dans la famille, autour de trésors, de trahisons. Et les sœurs, les parents sont très souvent complices. Et cette complicité entraîne très souvent des troubles de la relation. Je sais quelque chose sur toi, si je le dis, je vais te fracasser. Donc j'ai un pouvoir sur toi. On est tenu par le secret, on est lié par le secret. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se séparer. On a passé un pacte avec le diable. Fanfan a toujours idéalisé sa mère. Depuis l'enfance, elle la rêve comme une fée aux cheveux blonds. Lorsqu'elle découvre qui est sa vraie mère, est-ce qu'il y a un effet dévastateur sur Fanfan ? Les seuls parents parfaits sont les parents morts. Les mères sont toujours jeunes, elles sont blondes. Les pères sont jamais fatigués, jamais injustes. On idéalise sa mère. On la recherche parce qu'on recherche toujours un idéal. Et le jour où on la rencontre, enfin, elle est froide, elle est distante, elle est fatiguée, elle n'est pas belle, elle nous met à distance, elle ne nous aime pas, elle n'a pas appris à s'attacher à nous, on est déçu. Et cette déception est parfois un soulagement. C'est-à-dire que bon, ça va maintenant, ben, voilà, mes rêves, il va falloir que j'y renonce, maintenant il va falloir que je me construise une autre vie. Beaucoup d'enfants abandonnés se réfugie dans l'imaginaire. Et il y a, parmi les orphelins, un nombre anormalement élevé d'artistes, d'écrivains, de gens qui développent l'imaginaire parce que le réel est insupportable. Et là, au moins, il y a de la beauté, il y a de la gentillesse. Suite à cette rencontre, Fanfan coupe les ponts avec sa mère biologique, mais aussi avec Brigitte. Pour retrouver le secret de ses origines, elle ne dispose alors que d'un maigre indice, le nom de son père, Georges Halévy. Malgré la naissance de sa fille Myriam en 1964, c'est le début d'une période chaotique. Fanfan divorce, puis elle se remarie en mars 1979 avec un jeune avocat parisien. Il avait une famille tellement unie, tellement grande, tellement amoureuse de tous ensemble, tellement la famille dont on rêve de toujours. À chaque fois, quand je sortais de là-bas, je sentais le précipice de mon côté, de rien. J'avais rien le jour de mon mariage, j'avais trois copines, c'est tout. Et puis, comme on était tellement proches, il savait que je souffrais de ce qu'il n'y avait rien.
Et donc, il a commencé à faire des recherches en tant qu'avocat. Je me souviens donc cette espèce de d'attente tous les soirs en mangeant. Donc alors, que s'est-il passé? Donc les choses sont arrivées comme ça. Mais en même temps, comme elle ne voulait pas me faire peser en fait sur moi, me faire peser cette lourde histoire, donc elle n'en était pas dans l'exagération pendant toute la journée, dire j'angoisse, qu'est-ce qu'il va savoir. Donc elle était plutôt dans en fait beaucoup de retenue. Plus ça devenait plus ça devenait impressionnant pour elle, plus elle avait une retenue qui faisait que le quotidien pendant toute cette recherche n'a pas été très spectaculaire. Et un jour il rentre à la maison, il me dit est-ce que tu es assez forte pour écouter ce que je vais te dire? Alors je dis oui, bien sûr, moi toujours la nana qui montre pas et qui veut pas dire les souffrances et tout. Et il me dit, mais voilà, j'ai retrouvé. Avec le nom de ton père, j'ai retrouvé toute l'histoire. Et écoute, voilà, t'es bulgare, t'es une juive bulgare, et tes grands-parents étaient professeurs de lettres à Sofia. Ils étaient partis en 1917 de Bulgarie pour aller en Allemagne. Et mon père est né à Wiesbaden en Allemagne. La montée du nazisme en Allemagne, ils ont dû pas y croire au début, d'après ce que j'ai compris. Donc ils sont venus en France, s'installer en France, en disant ça passera jamais, ça viendra jamais en France. Il a été déporté le 26 avril 1944 et il est exterminé le 5 mai, ou le 4 ou le 5 mai, enfin. Ils n'ont pas laissé souffler. Hein. Son père, malheureusement, a eu le dernier train qui allait vers les camps de concentration. Et elle a découvert que c'était le voisin dans l'immeuble qu'il avait dénoncé. Le père avait, je crois, 23 ans. Alors comment peut-on dénoncer quelqu'un de 23 ans qui était déjà, je suppose, dans l'effroi d'être découvert? Le père de Fanfan aurait été dénoncé. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet et que s'est-il passé après pour lui, après cette dénonciation? Alors, on ne sait pas exactement dans quelles circonstances il a été arrêté. La délation est une possibilité. On sait qu'en avril 1944, on est dans la période de la traque, après les grandes rafles en 1942-1943. Là, les Allemands essayent d'arrêter les Juifs un peu partout. Et en utilisant notamment à Paris la police française, ils arrêtent les Juifs sur n'importe quel prétexte. Donc, on a une myriade de possibilités, dont la délation qui en est une parmi d'autres. Et après, il arrive à Auschwitz, et que se passe-t-il? On perd sa trace? Le convoi arrive le 1er mai à Auschwitz. On sait qu'environ un peu plus de 900 personnes vont être envoyées directement à la chambre à gaz pour être assassinées, et qu'une centaine vont être sélectionnées pour le travail. Et on peut supposer que lui, au vu de son âge, fait partie de ces personnes qui ont été choisies pour aller travailler. D'autant plus qu'il y a un document qui indique qu'il serait mort le 4 ou le 5 mai 1944, c'est-à-dire pas immédiatement à son arrivée, mais quelques jours après. Ce qui laisserait supposer qu'il a été sélectionné, qu'il est rentré au camp et qu'il est très rapidement mort pour une raison ou une autre. Fanfan connaît à présent une partie du secret de ses origines, mais elle n'est pas au bout de ses peines. Pendant plusieurs mois, son mari poursuit ses investigations et il va faire une autre découverte. Il me dit, il y a quelqu'un qui est vivant du côté de ton père. Alors là, je commençais à être complètement estomaquée et je dis, mais c'est qui? Il m'a dit, ta grand-mère. La mère de ton père, elle est vivante. Et alors là, il l'a appelée, il l'a contactée. Moi, j'avais l'écouteur, j'entendais la voix de ma grand-mère. Et il a bien fait de ne pas vouloir que je lui parle, parce que moi, je lui aurais tellement dit « Je vous vois, je t'aime, t'es ma grand-mère ». Enfin, je serais partie dans un délire de fou, quoi. Elle était sur le point d'accepter un rendez-vous avec lui.
Et elle a cessé, elle ne répondait plus au téléphone, elle a tout cessé. Et il lui a envoyé une très belle lettre en lui expliquant toute l'histoire de moi, parce qu'elle lui disait au téléphone, je ne comprends pas pourquoi elle se réveille au bout de 30 ans, pourquoi elle met tant d'années à essayer de nous retrouver. Et de toute façon, ce n'est pas possible, ils n'étaient pas mariés, je l'aurais su. Enfin, elle était dans une espèce de... Elle ne voulait pas, et à la fois, elle voulait un tout petit peu. Et finalement, elle a trop réfléchi. Mon mari lui a envoyé donc une belle lettre magnifique avec trois photos, des photos de moi pour qu'elle se dise quand même elle ressemble à son fils, quoi. Et puis elle a renvoyé la lettre, les photos. Et quand mon mari a voulu la recontacter, elle était partie. Elle avait tout quitté. Elle n'a pas voulu me voir. Avec cette fin de non-recevoir, se clôt pour Fanfan un chapitre de son histoire. C'est finalement cette même histoire qui va lui offrir la possibilité de faire son deuil. Le 25 janvier 2005 est inauguré à Paris le mémorial de la Shoah. Et si le nom de son père, Georges Halévy, y était gravé? Ce nombre de personnes qui attendaient dans un silence, on n'entendait que des larmes, que des gens pleuraient. Il n'y avait que des sanglots. Et on est rentrés les uns après les autres, et puis on cherchait vous savez, comme des gens fébriles, on cherchait notre nom. Tous les gens avaient la même démarche. On cherchait le nom, ce nom chéri que tout le monde aimait, chacun le leur, quoi. Et tout ça dans des sanglots. Et puis quand j'ai trouvé le nom, j'ai mis ma main, comme tout le monde faisait la même chose, forcément, j'ai mis ma main, et c'est un peu haut, alors donc j'ai mis ma main, je faisais des baisers, comme tout le monde faisait la même chose, avec chacun le sien. Et c'était un moment de bouleversant. Nous avons vraiment beaucoup, beaucoup pleuré. Parce que d'un seul coup, moi j'existais aussi parce que ce nom était là sur ce mur. Mes enfants existaient parce que... Enfin, d'un seul coup, il y a eu une boucle de bouclée et puis toute cette souffrance que ma mère gardait en elle, c'était une délivrance aussi. Et puis c'est drôle, j'ai eu l'impression, mais ça c'est peut-être une impression, que cette douleur que j'avais lancinante et lancinante depuis l'enfance s'était arrêtée. Vraiment, j'ai l'impression que je ne souffrais plus. Parce qu'il y avait un endroit, il était reconnu lui aussi. Ça veut dire que si lui il était reconnu, moi j'étais reconnue. Pour aider Fanfan à reconstituer son passé, nous avons fait appel à un cabinet de généalogistes et d'historiens. Ils ont retrouvé des informations sur l'histoire de la famille paternelle de Fanfan. Son arrière-arrière-grand-père est un grand intellectuel et il a par ailleurs découvert l'unique tribu juive d'Éthiopie, les Falachas. Des années plus tard, cette découverte a inspiré un film « Va, vis et deviens ». Coïncidence extraordinaire, c'est le film préféré de Fanfan, alors qu'elle ignorait tout de cette histoire. Mais ce n'est pas tout. Ils ont aussi découvert que toute sa famille paternelle est inhumée à Paris, au cimetière du Père-Lachaise. Pour lui révéler toutes ces nouvelles, nous avons organisé une rencontre. C'était il y a quelques semaines à peine. Toute cette famille, tous ces gens dont on vient de parler, sauf Georges évidemment, on les a retrouvés à Paris au Père-Lachaise. Ah ouais. Il y a un caveau familial au Père Lachaise, dans le carré juif, dans le carré juif du cimetière du Père Lachaise, où tout le monde, toute la famille est dans la tombe. C'est pas croyable. Donc ça, ils sont quand là. Tu veux, c'est 100% vrai. Moi je pensais que c'était parti au juif aussi. J'ai eu confirmation par l'administration du cimetière, des gens qui étaient enterrés dans ce caveau. Ouais. Et donc ce qui est formidable, c'est que tu vas pouvoir... Alors je vais pouvoir aller les voir, être dessus, leur parler. C'est pas croyable, ils sont à côté de chez moi. J'habite à côté. Quel cadeau, en fait, c'est pas possible. C'est extraordinaire, ça. J'ai l'impression que vous me redonnez du sang dans les veines. «
Depuis cette révélation, Fanfan se recueille régulièrement auprès des siens au cimetière du Père-Lachaise. Dans ce caveau est réunie toute sa lignée paternelle sur 4 générations. Fanfan connaît désormais son histoire, elle n'est plus seule. Quand je regarde ce parcours, je me dis que je pourrais pas le refaire, quoi. Ça m'a épuisée, tout ça. Je pourrais pas le refaire. J'ai pas eu d'enfance ni d'adolescence. Et c'est presque maintenant que j'ai envie d'être une petite fille, une vraie. À l'âge que j'ai, c'est un peu bête. Hein. Toute sa vie, Fanfan a tenté de percer le secret de ses origines. À force de ténacité, elle a réussi à lever le voile sur les dernières zones d'ombre de son passé. Libérée de son secret, elle est aujourd'hui apaisée et sereine, prête à livrer à ses enfants et à ses petits-enfants l'histoire de son secret de famille. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons mercredi prochain pour un nouveau numéro de Secret de Famille. Bonne soirée sur France 2.